Oh, go, go, go. Raté du coup. Oh, oh, oh. Oui, oui, oui. Regarde, regarde, regarde. Wesh. Incroyable. Tente ici. Oh non. Oh, à gauche. Oh, à gauche, je l'avais pas vu. Moi. Je l'avais pas vu. Les gens. Oh, t'es trop fort. T'es trop fort, je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo 2v2 trolling. Et pour ce concept, qui de mieux que Wa le ouf pour ma compagnie, comment ça va Wa? Bah ça va super et toi? Bah nickel hein, de bon matin, j'avoue que t'as eu du mal à te lever mais ça l'a fait. À chaque fois il me met dans la sauce. À chaque fois. Mais non mais les gars, je vous l'ai déjà dit, on est assez décalé. Wa a fini son live sur Twitch hier à 3h du mat, 2-3h du mat. Moi je suis plus team, j'enregistre mes vidéos le matin, comme ça je suis tranquille le reste de la journée. Sauf que du coup forcément toi là t'as un peu la tête dans le cul non? Oui oui, bah, toujours, toujours. Heureusement que je t'ai pas demandé de mettre ta caméra pour prendre le rush quoi. Vaudrait mieux pas, tu vois, parce que... Ok, on va top. Aujourd'hui, ouais, je t'ai montré un deck assez surprenant, un deck sapeur, miroir, clonage, rage. En gros, le concept, il est simple, on doit faire genre, on est AFK, donc les gens, ils commencent à poser des grosses troupes, à se dire, vas-y, c'est trois couronnes faciles, on monte nos maîtrises, ils sont trop contents, et là, d'un coup, paf, on pop de l'autre côté, sapeur, miroir, clonage, rage, et normalement, je dis bien normalement, ça peut faire un 3 couronnes. Ça va être compliqué, parce que j'avais déjà essayé de faire le concept, parce que le bouseux m'a dit, ouais, non mais t'inquiète pas, ça va être simple. Ah, c'est dur. J'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes là-dessus. Parce que je me suis dit, la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, c'est deck bâtiment, je me suis dit, bah ça va forcément être plus simple. Parce que souvent, en 2v2, le problème, c'est que les mecs ont beaucoup de bûches, et les bûches, ça nique facilement les sapeurs. Ça coûte pas très cher, c'est de délex, tu vois, donc... Donc on va voir. Ouais, ça va être compliqué. Petite stratégie en plus, est-ce qu'il faudrait pas mieux prendre un deck qui cycle hyper rapidement pour réavoir les sapeurs hyper vite avant que eux n'aient cyclé leurs cartes pour nous défendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi là j'ai un deck à 2,2 d'élixir. En fait j'ai pris le deck qu'on avait joué avec le fuet à squelette, miroir, etc. Et j'ai juste enlevé le fuet à squelette et j'ai mis les sapeurs. Ok, et bah dans ce cas là je vais aussi mettre l'armée de squelette, t'as raison, parce que ça va les forcer à bûche. S'ils peuvent bûche sur notre gobelin Serbacane ou notre armée de squelette, bah du coup après on est free avec les sapeurs quoi. Tout à fait. Ils sont niveau combien tes sapeurs toi? Niveau 9, ça va être léger, mais on est là. Allez, je les monte niveau 11, je suis en forme. Putain, la vache les gars, qu'est-ce que je ferais pas pour des vidéos bordel. Ok, bon, par contre, j'ai pas monté mon sort de clonage. En gros, quand on monte le sort de clonage, les troupes qu'on clone sont plus HL, c'est ça? Exactement, ouais. Bon, elles se font quand même one shot, mais voilà, c'est plus élevé, donc c'est plus de dégâts. Ok, ça marche. Et j'avoue que du coup, contre les sapeurs, ça peut être efficace de fou le clonage 14. Parce bah, que s'ils tapent en étant niveau 14, oh, les dégâts de fou malade, on verra bien. Hop, c'est parti. Objectif 3 victoires, dont une surprenante. Une où il faut vraiment que les abonnés se disent « Waouh, le deck est trop bien !» Même nous, on s'attend pas à la win, quoi. Allez, c'est parti. Oh, est-ce qu'en face, on n'aurait pas un deck fût à squelette clonage miroir là? Bah, tout le monde, il a regardé ta vidéo, et du coup... Ouais. Non, le deck, en vrai, il était connu depuis quand même pas mal de temps. Ok, ils ont les vieilles cartes, par contre, ça, c'est cool. Je vais tenter l'armée à droite. Ok... Zap, c'est efficace contre ce truc là? Bah en fait non, parce que si tu le, enfin, tu le one-shot pas quoi. Ok. Ok. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre l'élixir x2 avant de tenter quoi que ce soit. Je sais pas ce que t'en penses toi mais... Ouais, c'est... Pour moi c'est... Enfin t'as raison, parce que le problème c'est que si on fait 100 fois, bon... Là, normalement l'esprit de feu... Ouais, let's go. Oh, le gel qui est niqué de la part des adversaires dans le vent là, ça fait plaisir. Je défends. J'ai limite envie de tenter. Hein. J'ai le combo moi. Ah. Vas-y, on fait genre on est AFK. Vas-y, on fait genre on est AFK. J'ai très peur là. J'ai très peur. Parce que là, on est obligé d'attendre que le mortier meure. Bah oui, on est con. Ouais. Ah ouais. C'est peut-être. peut-être pas ouf. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? On va le faire, ils le savent pas. Ouais, faut qu'on parte à gauche du coup. Hein. T'es sûr? Ouais. Ok. T'as le sapeur, t'as tout, hein, t'as le combo. Hein. Oui, t'inquiète. Ok, t'es prêt? Vas-y. Gauche? Merde, oh non, la Valkyrie. ok, t'es non, pas oh. Oh, l'échec. Ouais, en fait... Droite, c'était bien peut-être. Oh, hein, la bûche elle est dégueulasse. Ouais, droite ça aurait peut-être été mieux. Bon, voilà, je crois que ça pue sa mère, mais c'est pas grave, on va retenter. Oui. Oh les cons. Parce que du coup, ils étaient vraiment pas forts, c'était prenable. Mais... Bah, en fait, ouais, je m'attendais pas à ce qu'ils partent à gauche. Si je mets les sapeurs là, ils vont où là? Non, ils vont tous au mortier.
Ok. Oh non. Bon, celle-ci, on peut la libre. Bon. Ok, oui. Aïe. Donc, faut déjà que vraiment que les adversaires n'aient pas de bâtiment. Ouais, parce que là, le mortier vomite comme ça. La cata. C'est pas grave, les gars, c'est une game découverte de deck. Moi, je me suis pas spoil, je l'ai vraiment pas joué. On essaye de voir comment ça se passe. C'est tout. C'est pas concluant. En plus, ils étaient vraiment pas forts avec des cartes pas hautes. Donc là, fait chier. Mais c'est pas grave. On va en avoir d'autres d'opportunités. Ok, vieux golem de glace niveau 9. Ok. Ils mettent tout du même côté là. On va voir s'ils ont une petite bûche là. Ils ont rien. Ah, ils ont un zap. Ok. J'ai rien. Tiens, je défends, t'inquiète. T'inquiète. J'ai juste mes sapeurs. En fait, faut les mettre derrière lui vu qu'il a une portée assez grande. En vrai? En vrai de vrai? En vrai de vrai? Non! Non! Non, le gel! Oh, le gel de la panique. Putain, ils ont un gel! Ils ont très très bien joué. Du coup, là, ils nous ont grillé en fait. Okay. Ils connaissent notre combo, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ils nous ont grillé, mais c'est pas grave. En vrai, on va leur faire claquer leur gel dans le vide. Ah, quoique, je pense qu'ils vont jamais claquer dans le vide. Mais là, le ballon, j'ai rien pour défendre ce truc. En fait, notre gobelin Sarbacane, c'est ce qui vraiment défend de fou et faut réussir à le cycler rapidement, quoi. Ouais, mais il a fait une bonne défense. Par contre, regarde, là, à droite, il va bien gratter. Hein. Tu l'avais miroir, je crois. Ouais, je l'ai miroir, je l'ai miroir. On a plus gratté que ça, c'est la bonne nouvelle, mais bon, ils connaissent notre combo, comme tu dis. Ils sont vraiment grattés, du coup. Hein. Attends, on laisse, on fait genre en AFK. Ah non, vas-y, go, 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 vas-y. Non, c'est bien, c'est bien. Ils ont pas le gel. Oh, 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 oui, 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 regarde, regarde, regarde. Wesh. Incroyable. Par contre, c'est dommage. Dommage qu'il soit bas level. Ouais, là, level 14, c'était la tour. Par contre, oui. Là, il va falloir défendre. Oh la vache, comment on a surpris de fou. En vrai, je pense que je défends avec armée. Ouais, ça va. Après, il est niveau 12, donc ça va tuer. Oh, il a niqué son gel. Est-ce qu'on peut pas cycler plus rapidement que là en élixir x2? Moi, j'ai déjà la combinaison. Moi, je l'ai presque. Je vais juste lancer une petite bûche. Ok, est-ce que t'es prêt dans 5 secondes? Vas-y. Attendez qu'il pose une... Il va poser une grosse troupe, non? Voilà. Ok, on y va. Allez, go. Oh, ils ont posé le ballon. Ils sont morts. La boule de feu, ça suffira pas? Oh, aïe. Aïe. Bon. Pourquoi il... Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est pas fini. En vrai, c'est loin d'être fini. Par contre, là, je pense qu'ils vont vouloir full défendre. En vrai, on peut prendre le 3 étoiles plus rapidement qu'eux, non? Ouais, c'est juste de tempo. Vas-y, tempo, moi j'y vais. Oui, on l'a avant. Oui. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, c'est trop jouissif, bordel. Ça, c'est la game sur... Exactement, ça, c'était the game. Putain. Oh. Ok, des niveaux 10. Ok, des Français. Des Français. Et des Français en plus. Bâtard. Les Français, ils sont nuls. Allez. Oh. Waouh, 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 waouh. On tente ou pas? J'ai pas. Combo. Ok. Ok, on essaie de défendre du coup. Oh, en vrai, on le tente. On essaye, hein. Ah ouais, j'ai plus rien du coup. Ok. Non, là, attends. Là, on va prendre un karma direct. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Quoique, ça se passe bien là, ouais. J'y vais, mon pote. Oui, oui, oh, oh, oh. Bah alors, les gars. Oh, je t'ai dit, les Français, je t'ai dit. Pardon. Oh, la rapidité. Par contre, là, c'est... on va se dire, est-ce qu'on prendrait pas le 3 couronnes? Mais le problème, c'est que... On pourrait se faire surprendre. Merde, oh non. Ça va, ok. En vrai, ouais, t'as trop bien joué. Hein. T'as trop trop bien joué. Ils vont mettre juste deux coups. En vrai, ça... Dès que ça tape, je mets l'armée. Ouais. Comme ça, ils vont devoir ouais, mettre une bûche. Oh là là, oh, yeah, let's go. Est-ce qu'on fait le 3 ou le 2? Ouais, on fait le 3, non? Dès qu'il pose à gauche. On fait le 3, dès qu'il pose un méga chevalier, ça instant. On fait genre en AFK? Ouais. Je pense que là, c'est la technique. Ok, nickel. Vas-y, on fait genre en AFK. Et là, normalement, on peut win. Oh okay. Putain, là on perd énormément d'élixir, enfin surtout toi là pour l'instant. Go? Non, on attend. Vas-y. Tu sais quoi, je défends. Ah t'as mis tes sapeurs? Ah merde, du miss. Pardon, merde, merde, merde. Ok. Oh merde, on... Ok, là on a panique, c'est pas grave, y'a rien. Y'a rien du tout. Faut okay, mini PK à mettre. Oh, let's go.
Ok. Est-ce qu'on irait pas là? Ah ouais, merde, t'es allé. Merde. Ah. Ok, ils ont tout mis, j'y vais maintenant. Vas-y, j'y retourne, j'ai recyclé. Déjà? Ils sont morts. Oui, ça va trop vite. Oh, regarde. Let's go. En fait, c'est trop bien pour recycle, c'est incroyable. Bah ouais, j'avoue qu'en double élixir, tu recycles tellement vite par rapport à eux. Surtout qu'ils avaient MK géant, ils avaient quand même des cartes qui coûtent cher. Forcément, on recycle beaucoup plus vite qu'eux. Mais rien qu'en fouant la pression que ça leur a mis. Oh, les pauvres. Je crois, si je dis pas de conneries, on est à 2 victoires, 3 couronnes. Donc, ouais, c'est ça. Let's go. Des victoires. On s'en fout. Et en 3 couronnes, donc ça va, c'est cool. Il vient de bûche, hein. Est-ce que tu viens de voir ce que je viens de voir? Ouais, écoute. Bûche pas. Non. Par contre, j'ai pas mon combo. Putain, je l'ai pas du tout, hein. Est-ce que tu crois qu'ils ont déjà une bûche, là? Je sais pas. Regarde à droite, hein, j'ai pas l'impression, hein. What, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bourrés. On y va? C'est... Ah. En vrai. Y'a un monde là où on prend quand même. On a bien gratté. On par contre. Voilà, attention. Non, ça se def. Ça se def, ça. Oui. Bah, il va falloir dans tous les cas. En vrai, Gobelin Sarbacane, c'est tellement bien en défense. C'est tellement polyvalent. La bûche qui tue pas mon gobelin. Oh, il a le seum. Ils ont fait 0 dégâts, ils avaient un push de l'enfer. Il va? Oh, écoute, frérot, allez. Moi j'y vais, ils viennent de jouer la bûche. Allez. Ils ont fait la merde. Ils ont fait la... Ça fait un push à 50, on a tellement bien de... Ils ont fait le push de l'enfant, ils se sont dit, là ils sont morts. Là c'est foutu pour eux. On a défendu de fou et après on leur a mis le compte. Et dernière. Ouais, ça a été trop rapide. Ah ouais, c'était trop rapide. On dirait Molly, quoi. Oh là. Il nous a mousé. Ok, des petites anecdotes, quoi, des petits secrets. Ok, niveau 11 en face. Ok. Ils ont un fût. 11, dragon de l'enfer, 11. J'ai le combo. Je pense que je vais me le tenter à gauche. Dès qu'il vient de jouer la bûche, hein. Ah ouais, vas-y, go. On zap. Oh. T'as pas encore le tour. Les gars, par contre, là, on est pas bien. Ah si, c'est bon. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont câblé. Dose, quoi. Mec, j'allais dans le vent, ok. Bon, tu veux. Oh, ils ont câblé, putain. Oh là, la surprise. En vrai, j'ai déjà le combo, hein. Mais là, le combo, on l'a bien fait parce que tu vois, t'as cloné... Non, t'as rage pendant que moi, je clonais. Du coup, ça fait qu'il y avait toujours une rota, tu vois ce que je veux dire. Et puis, j'avais le zap pour l'armée, là. Ouais. Moi, j'ai déjà le combo, hein. Mais là, je pense qu'ils ont abandonné, non? Ah non. Ils sont là. Oh, toujours plus loin. Là, regarde, ça va tellement vite sur la tour. Oh, le MK! Oh, trop bien placé! Alors ça, bah, c'est bien. J'avoue que là, on est pas bien. Ça ne va pas ouf, hein. Alors, on est pas bien. Attends, je vais le laisser sauter. Non, laisse-le sauter avant. Merde. Ok, ça va. Ok, t'inquiète. En vrai, les deux armées, là, la bûche est trop tard. La bûche est un peu trop tard. Par contre, du coup, faut vraiment qu'ils mettent le MK et qu'on fasse le combo après et c'est gagné. Le problème, c'est qu'ils ont mal tiré aussi, en fait. Ils ont bûche. Ils ont roquette, oui. Pardon. Il a pas cyclé son MK, hein. C'est sûr, il l'a pas cyclé. Hein. Allez, go. Il a pas cyclé. Allez. Et, c'est pas mal. Ça va. Et la Valkyrie a fait chier, elle nique tous les clonages. Ouais. Ok, en vrai, ça va. Tout va bien se passer. Oh bâtard. Ouais. Le gel est beau, hein. Sur une vieille Valkyrie level 9, là. Et ils savent qu'on a notre combo. Tente ici. Oh non. Oh, à gauche. Oh, à gauche, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Oh, t'es trop fort. T'es trop fort, je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu.
J'ai vu ton gobelin. Ouais. Je me suis dit, ok, toi tu vas partir à droite, ils vont mettre tous les legs, ils vont paniquer, c'est obligé. Ouah. Et du coup, je vais partir à gauche avec des vieux sapeurs, juste pour protéger le gobelin Sarbacane et enrager. Ouais, surtout que mon gobelin Sarbacane était level 16. Du coup, t'en as profité. Mais en vrai, c'est vrai qu'en 2v2, c'est dur d'avoir le regard en attaque et en défense à la fois. Bah, on en a profité, quoi. On en a carrément profité. 4 belles victoires. En vrai, ce combo-là en 2v2 par rapport au fût à squelette, limite si je le préfère, tu vois. J'ai limite ouais, envie. Je trouve ça mieux. Ouais, c'est, tu vois, ça va plus vite, c'est plus dynamique. Par contre, plus dur à défendre que le feu à squelette, je trouve. Bon, bah bon, moi, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite vidéo. Les gars, la chaîne de Wa est en description. Est-ce que t'as des petits lives de prévu là, incessamment sous peu, des petites vidéos? Bon, écoute, bientôt à 24h, où le but du 24h, ce sera de monter plus haut sur un nouveau compte. Donc, mais non. Monter le plus haut, objectif 5K5. Tu vas monter à 5500 trophées en 24h, sachant que moi, j'ai le compte depuis 6 ans et je suis à 5100. je pense, c'est l'objectif en achetant que le pass. Le pass à 5€ et puis on va essayer de monter le plus haut. Mais je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais bientôt. Ok, trop bien. Donc les gars, n'hésitez pas à le suivre. Tout est en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à lâcher le petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.